La question du jour. Ma fille de 7 mois passés pleure depuis quelques jours dans son sommeil. Qu'est-ce exactement et est-ce normal? Alors, pour répondre à ta question, le cerveau, en fait, s'agite parfois à certains moments de la nuit. En fait, cela est lié au cycle de sommeil et à l'étape du cycle dans lequel l'enfant se trouve. Donc, en fait, aux alentours de 7 mois, le moment actif du sommeil est situé plutôt à la fin du cycle, alors que jusque-là, il était plutôt en début de cycle. Et c'est le moment de sommeil paradoxal, celui où on dit que c'est le sommeil des rêves. Et il est possible que pendant ce moment-là, qui est un sommeil plutôt agité, en fait, l'enfant bien bouge, pleure, car en fait, c'est le moment où le cerveau enregistre toutes les informations de la journée, assoit les apprentissages. Parfois, on a même l'impression que l'enfant est réveillé alors qu'en fait, il dort encore. C'est le moment en fait essentiel du sommeil dans la maturation du cerveau. Donc oui, c'est normal.